Ça passe pas? Est-ce qu'on peut dire que t'étais trop acide? C'est ce que m'a dit, franchement. J'ai gargangé les limaces. Ça, ça va être contre la nature, mais avec les limaces, le compost, on fait des choses qui. Les jeux de cette limace. La mine pas, donc avec les temps nous sommes, les haricots, carapan et orange. Cucurbitacée en général. Donc, vous allez mettre quitteur, donc soit les temps nous sommes, soit du maïs. Ça va avoir problème avec le maïs, je l'ai fait demander en eau. Et donc, du coup, le tuteur, le tournesol et le maïs va servir de tuteur. Le haricot va pouvoir tourner autour. Et puis, bon, là, le tournesol, c'est pas assez grand pour manque de soleil. Donc, voilà, ça, c'est la milpa. La milpa, c'est un truc qui se fait en général dans les pays latins où ça marche bien. Alors, tournesol et prend un peu de place, très demandeur en nutriments, mais par contre, moins forcément besoin d'eau par rapport au maïs. Donc c'est pour ça aussi qu'on a mis du tournesol et aussi le maïs n'est pas venu, c'est pas assez bon. Donc voilà, la milpa, ça se présente comme ça, cucurbitacée en bas, qui va vous couvrir le sol, et les tournesol ainsi que les haricots qui vont se faire la petite jungle, on peut le voir. Hein. Les haricots vont commencer à venir, je pense. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est la milpa, c'est un bon projet. Voilà. Niveau jardin, ça marche bien. Donc ça, c'est... Ça, on voit bien, on voit mieux ici. On voit mieux ici les haricots. Bon, on verra ce que ça va donner, mais disons que c'est un... problème avec la perma ou les trucs qu'on voit dans les livres ou sur internet, il y a toujours des gens qui vont dire différentes choses. Donc, le mieux c'est d'essayer de voir par soi-même ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà. Oh. Ça marche bien quand même la milpa quand même. Thank you.
Bon, alors c'est vrai que c'est un peu faire. En fait. C'est un autre image. Moi, c'est Discord, c'est ça. En fait, le souci, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup d'outils. Et qu'on bah, on fait beaucoup avec rien. Pas dedans, en fait. Un peu de crème rouge, salade, épinards, mâche plus loin, une mâche de toute saison. On va trouver, on va voir ce que ça va donner. Voici notre jardin. Et même, hein. Et ouais. On a ici. Récupérez l'eau et là on fait cuire carré potager à peu près en préparation et ici bah, notre abri de jardin notre voilà. Abri de fortune du jardin voilà. Y a. À la 50. Joli. Et 3 ou... Joli. Ah, ah. Tu réponds sur la poche. Oh, joli. C'est qui votre pointe? Voilà. Oh. Techniquement, c'est pas la tienne, ça? Ah non, ça c'est à toi, moi j'ai visé là. Toi t'as visé que là, moi j'ai visé que là.
carré potager en mode minimaliste, sans culbi, jusqu'à la roue et hache. Les frelons, faut faire quand même très attention. Trois piqûres peut tuer un cheval, donc faut vraiment vraiment prendre ses précautions. Oh, bah oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut? À mort du vide. Est-ce qu'on peut dire ça suffit? Bah ça suffit? Non. D'accord. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ce carré potager? Et voilà. Là, on va monter. Et ensuite on mettra les
tout ce qui est plantes aromatiques, basilic, le maquis, la rivêche. C'est quoi la rivêche? Basilic, tout ça, romarin. Alors nous, le romarin, on l'appelle Jack Sparrow. Pourquoi Jack Sparrow? C'est ça, hein? Oui. Jack Sparrow. Allez, devinez, Jack Sparrow. Parce que Jack Sparrow, c'est un... pirate. Pirate. Donc, qui dit pirate, dit marin et rhum. Point de rhum. Hein? Autre saut. L'autre saut. L'autre saut. La saut, ça resfèche. Voilà, voilà. Ah. Bon bah, carré potager aromatique, fini. On va prendre nos premiers aromates. Le maquis. Maquis, comme il est. Il y a du génisse. Voilà. Voilà, voilà, jardinière, là, c'est... J'ai l'impression qu'ils sont mieux ici, hein, les pensées. Hein, regarde comme elles sont belles. Et pourtant, elles sont en dehors. Hein. Oui, elles sont magnifiques. Fallait y penser. Regarde. Ah, hein. Elles sont super belles. Et une tomate. Ah, tout dedans comme ça. Non. Ça risque de faire beaucoup. Tu veux le mettre au milieu? Ouais. Bah, ça se développe bien quand même dedans. Il y a 2 mois, nous avions reçu une terre, pour faire un jardin. Ce jardin, nous avions commencé, il y avait juste les fraises. Nous avons 5 personnes qui étaient dessus. Nous sommes le 28 mai 2021, et en 2 mois et quelques, nous avons fait ça. Hein, 2 mois et 1 semaine. Voilà. Ça, c'était le premier projet bricolage. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'abri à tomates. L'abri à tomates qui est en cours. J'ai très bien avancé. On fait la deuxième partie là, ici. Plus les petits vaches qu'il y a. Et on fera un petit toit. Voilà. Là, la Paris, elle est en train de remuer la mer pour prendre les futures tomates. Puisque cette année, vu le temps, la météo, c'était la merde pour faire les semis. Et comme nous avons un projet de vacances,
nous nous attendons de finir le protège. Alors là, ici, il est permaculture. Nous avons travaillé sur la MILPA, l'association Croix Culture. Et on en dira plus une fois qu'on aura que les haricots auront décidé de pousser. Voilà, bon. Sortir de ces planches de bois. Ouais, effectivement, je suis le coin du Loch Ness. Ok, c'est bon, non, c'est bon. Ça va sortir. C'est bon. Ok. Voilà, vraiment le souci là. Là, il est pour toi. Oh, merci. Hey. Hey, du cul. Coucou les belles tomates.
Ah ouais, quand même. On va enlever le premier poireau. Attention. Waouh. Ah, il est beau. Tu vois, quand tu le butes pas assez, il n'y a pas beaucoup de blanc. Mmh. Tu vois, plus tu le butes et plus tu as de blanc. D'accord. Ça. Bon, les tomates, c'est comme vous voulez, hein. D'accord. Voilà. Je leur dis de se manier un peu, hein. Ça se rapproche de plus en plus.